Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée à la magie et pour être plus précis à l'apprentissage des bases et des fondements de la magie. Je vous avais dit que précédemment sur des vidéos qu'on allait dépoussiérer certaines choses et que j'allais profiter de mon emménagement pour vous proposer tout un panel de nouvelles choses. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit non mais Jojo, tu vas pas leur faire une énième vidéo qui va traiter d'un sujet etc, on verra ça plus tard, autant reprendre tout à zéro et autant commencer par des bases qui sont à mon sens très importantes pour comprendre l'essence même de la pratique dite magique. En effet, si vous ne possédez pas les fondations de la magie, ça ne sert strictement à rien de vous lancer dans des pratiques rituelles, des invocations, des formules, etc. etc. Donc, toutes ces vidéos vont avoir pour but eh bien, de vous apporter une certaine connaissance sur l'étymologie de certains mots, leur définition, à quoi servent certaines choses, par exemple, quelle est la différence entre conjurer, invoquer, inviter, etc., etc. Donc, tout ça, je vais vous l'expliquer. Et puis bien sûr après on passera sur des choses un petit peu plus pratiques parce que je sais que c'est ce que vous voulez aussi, mais avant de passer à la pratique il faut connaître sa théorie et il y a des bases qu'il faut impérativement comprendre et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, nous allons parler de magie blanche et magie noire. Alors, on va déjà dépoussiérer rapidement ces concepts de couleurs qui n'existent absolument pas. C'est-à-dire que la magie dite blanche, noire, rouge, verte et toutes les couleurs que vous voulez n'existe absolument pas. Pour la simple et bonne raison que la magie est avant tout intention et c'est en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de la situation, du but recherché et surtout de la mission derrière l'opération magique que l'on va y mettre une couleur. Très souvent, la magie dite blanche correspond à la magie de guérison en lien avec la lumière, les anges, etc. Et pourtant, c'est pas si simple qu'il n'y paraît parce que on peut faire des choses qui ne sont pas très catholiques avec les anges aussi. Donc voilà. Mais pour simplifier, dites-vous bien magie blanche égale lumière, guérison, altruisme, etc., etc. Magie noire, ça rime avec les maléfices, les malédictions, la punition, la vengeance et toute autre connerie qui sont tout aussi absurdes les unes que les autres. Concernant la magie verte, la magie rouge, magie verte, eh bien tout simplement c'est tout ce qui va être rattaché aux pratiques naturelles, par exemple la magie avec les éléments, avec les plantes, voilà, tout ce qui est en lien avec la nature. La magie rouge va être tout ce qui est lié aux sentiments, à l'énergie sexuelle, donc tout ce qui est lié eh bien, aux émotions, aux relations, à l'aspect social, l'amour, le cœur, hein, le sang, donc le sang ça fait aussi partie bah, de tout ce qui est pulsion, côté charnel, la force vitale, etc., etc. Bon. L'être humain a toujours aimé catégoriser les choses, je sais pas pourquoi, est-ce que ça nous rassure, est-ce que on a besoin d'avoir des cases pour s'identifier à quelque chose, j'en sais rien. Personnellement, moi, toutes ces cases, et surtout en magie, ça me dérange extrêmement parce que la magie n'a pas de couleur pour la simple et bonne raison. Je vais essayer d'employer des mots simples, non pas que je suis en train de dire que vous êtes trop bête pour comprendre des mots compliqués, pas du tout, laissez-moi finir avant de commencer à rédiger votre commentaire désobligeant, non, je vais employer des mots simples pour que vous puissiez tout simplement comprendre que la magie, dans sa complexité, c'est quelque chose qui finalement est assez simple et qu'il n'y a pas besoin de la catégoriser, de la mettre dans des cases et de lui associer des couleurs pour en comprendre les concepts et surtout ce que l'on attend de la magie. Alors, donc comme vous l'aurez compris, je suis contre ces appellations de magie dite blanche, de magie dite rouge, noire, etc., etc. Non, puisque avant tout dans la magie, ce qui est important, c'est l'intention. Ça, c'est la chose la plus importante. Très souvent, je vous cite cet exemple parce que je trouve que c'est celui qui parle le mieux. Imaginons que vous utilisez un rituel de guérison. Donc on est d'accord que rituel de guérison égale magie dite blanche. Mais que cette guérison, ce rituel, vous le fassiez pour quelqu'un qui, eh bien, véhicule le mal ou qui fasse avancer le mal. Eh bien, malgré votre pratique de magie dite blanche, vous œuvrez finalement pour faire avancer le mal. Donc ça revient dans votre Karma, là aussi, on fera des vidéos sur le karma parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Les gens emploient ce terme sans forcément en connaître tous les tenants et les aboutissants. Mais on va employer ce terme afin de, pareil, vulgariser et simplifier la chose. Dans votre karma va s'inscrire que vous aurez aidé le mal. Et peu importe que vous ayez fait un acte bénéfique, que ça partait d'un bon sentiment, hein, parce que ça aussi c'est quelque chose que l'on entend très souvent. Oui mais je l'ai fait avec de bons sentiments. Oui mais on s'en fout de tes bons sentiments. Ce qui compte c'est le résultat et ce que tu as fait. Donc tes bons sentiments, on s'en tape. Et ne viens pas me répondre que tu ne le savais pas, que tu ne l'ignorais, parce que c'est même encore pire. Hein. Avant de pratiquer un rituel magique, de demander de l'aide à des entités, etc. Il faut être sûr de ce que l'on va faire, il faut avoir une vision assez, j'ai envie de dire, large et détaillée qui nous permet de juger la nécessité d'une pratique magique, parce que si vous faites les choses sans savoir pour qui vous le faites, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, pour quelle situation, etc., etc., c'est encore pire, hein, c'est encore pire. Voilà pourquoi je vous le conseille d'utiliser la magie uniquement en dernier recours. Hein, la magie, c'est pas comme dans Charmed où on utilise des sorts à tout va. Non, la magie, c'est vraiment la solution du dernier recours, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place toutes les stratégies humaines qui puissent exister. On essaye de développer et déployer tous les moyens qui sont à notre disposition. Et si vraiment on est bloqué, qu'on est face à une impasse et qu'il n'y a rien, et ben là oui, on peut faire appel à la magie. Donc, la magie noire, pour continuer l'exemple, imaginons que vous utilisiez un rituel dit d'exorcisme, donc c'est de la magie apparentée à de la magie du chaos, à de la magie de destruction, et oui, il faut le savoir, un exorcisme, c'est une magie, entre guillemets, destructrice. Mais si ce rituel, vous le faites pour aider quelqu'un afin d'extirper quelque chose de mal à l'intérieur d'elle, afin de libérer la personne, eh bien, vous aurez utilisé de la magie dite noire, mais à des fins qui ont servi une cause positive et qui ont permis de libérer quelqu'un. Donc là, dans votre karma, ne va pas s'inscrire l'outil que vous avez utilisé, mais le résultat que vous avez obtenu. Essayez d'imaginer une arme à feu. Alors je sais que les armes à feu, c'est un sujet un petit peu sensible, mais une arme à feu, c'est quelque part un outil de défense. C'est-à-dire que si vous utilisez votre pistolet pour aller tuer une pauvre mamie que vous croisez dans la rue, elle vous a rien fait, elle vous a rien demandé, mais pouf, elle est là au mauvais endroit, au mauvais moment, et pouf, vous dézinguez la vieille. Bon. Très clairement, là, ben, c'est pas votre arme le problème, c'est l'action, c'est l'intention que vous avez mise derrière qui a réalisé cette action absolument abominable. Mais si en revanche, vous utilisez cette arme pour vous défendre, pour protéger votre famille, hein. Imaginons que vous ayez un agresseur qui est lui-même armé en face de vous, ben, très concrètement, c'est vous ou lui, hein. Donc voilà. Eh bien là, vous allez utiliser quelque chose qui fait mal, mais pour, entre guillemets, une bonne cause, même si le fait d'ôter la vie n'est jamais beau en soi, mais voilà, quand c'est notre vie qui est attentée et que, eh ben, il faut se défendre, il faut faire quelque chose, hein, bon, voilà. Surtout quand c'est justifié, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas en train de prôner l'utilisation des armes à feu, d'accord? Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est simplement pour vous livrer des exemples qui soient concrets, pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Eh bien, la magie, c'est le même principe, c'est une arme à feu. Et en fonction de ce que vous allez faire avec, eh bien, soit c'est pour une bonne, entre guillemets, une bonne cause, soit c'est pour des causes qui vont servir que la vôtre, hein, voilà. Donc faites très attention parce que la limite entre magie dite blanche et magie dite noire est extrêmement fine et ce que vous croyez faire bien peut s'avérer être encore plus négatif. Imaginons, je prends un autre exemple très concret, imaginons que vous fassiez un rituel de guérison pour quelqu'un qui est malade. Alors on est bien d'accord que ça part d'une bonne intention, que vous voulez aider la personne, mais imaginons que cette personne, vous ne l'avez pas mise au courant et pire encore, cette personne ne veut pas qu'on interfère dans sa vie, elle ne veut pas que vous utilisiez la magie pour elle, je sais pas moi, imaginons qu'elle soit une fervente catholique et que, ou protestante, on s'en fout, et qu'elle soit contre toute forme de magie qu'elle apparente à des pratiques diaboliques, ben même si vous, ça partait d'une bonne intention et que c'était pour aider cette personne, vous allez contre sa volonté et par conséquent, eh bien, dans votre karma, ça va s'inscrire comme un acte dit de magie noire, puisque vous allez contre la volonté d'une personne et vous le faites uniquement pour vous soulager vous-même, parce que Là aussi, il y aurait des choses à dire quand on parle d'altruisme, hein, les actions désintéressées. Quand on fait des actions désintéressées, est-ce qu'on les fait vraiment de façon désintéressée, c'est-à-dire qu'on n'attend absolument rien en retour, ou est-ce qu'on n'a pas au fond de nous quelque chose à se faire pardonner, ça fait du bien à la conscience, on se dit ah, aujourd'hui j'ai fait ma bonne action, donc du coup je peux aller insulter la voisine, hein, parce que bon, j'ai quand même aidé la mamie à rentrer ses courses ce matin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Soit vous faites des actions complètement désintéressées sans rien attendre de retour, mais à partir du moment où vous faites quelque chose que vous considérez comme une bonne action, mais que inconsciemment vous attendez plus ou moins un retour, là pareil, alors soit de la part d'une personne, soit de la part de la vie, hein, en disant hey, regardez quand même, j'ai fait quelque chose de bien, ça mérite une récompense, non, hein, non. Ça, ne le faites pas, ça marche pas non plus dans ce sens-là, hein. Alors, ce que je m'apprête à vous dire n'est pas du tout pour prôner la pratique de la magie dite noire, hein, donc ne vous amusez pas à balancer des maléfices sur tout le monde, etc. Parce que vous risquez d'en payer très fort le prix, et je vais vous en expliquer pourquoi, qu'est-ce qui permet d'avoir des circonstances atténuantes par rapport à la magie dite noire. Comme vous le savez, la vie, la nature, le cosmos, l'univers, tout a été fait dans un équilibre parfait, confrontant deux choses qui sont à la fois opposées et complémentaires. Prenons le soleil, s'il était lui-même baigné de lumière, eh bien il ne brillerait pas, hein, puisque le soleil serait noyé dans cette lumière. Le soleil a besoin de ténèbres pour pouvoir briller. Les étoiles, hein, la nuit, elles ont besoin de ténèbres pour briller. Quand il fait jour, quand il y a le ciel bleu, les étoiles, vous ne les voyez pas, et pourtant elles sont au-dessus de votre tête. Donc vous voyez que parfois la lumière peut masquer quelque chose. Donc ne suivez pas aveuglément la lumière qui peut, par certains moments, c'est le cas de le dire, vous aveugler, c'est-à-dire qu'une lumière, n'oubliez jamais que c'est un allié que vous devez braquer avec vous, hein, en face de vous, mais si vous avez une lumière qui est en face de vous, attendez, je vais m'expliquer parce que j'ai dit 2 fois en face de vous et j'ai peur de vous avoir perdu. Si vous avez un projecteur qui est en face de vous, très concrètement, vous n'allez pas voir le fossé dans lequel vous vous apprêtez à tomber. Mais si la lumière, vous la retournez, que vous la prenez avec vous pour braquer son faisceau avec vous, en face de vous, dans votre vision, hein, eh bien cette lumière va être un allié et vous allez voir où est-ce que vous allez vous diriger. C'est le même principe. La lumière, on ne vit pas dedans, on vit avec. Eh bien, la magie dite blanche, c'est exactement le même principe. On travaille avec, on ne travaille pas dedans. On ne peut pas être baigné de magie dite blanche. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est complètement ridicule même parce que vous allez quelque part enlever les vertus, enlever les effets de cette magie, hein. C'est triste à dire, mais il faut savoir que pour apprécier les bonnes choses de la vie, il faut connaître aussi les mauvaises. Je vous prends un exemple très concret, quelqu'un qui a toujours été heureux toute sa vie, qui a eu de l'argent toute sa vie, qui n'a jamais connu le moindre problème de santé ou quoi que ce soit, eh bien cette personne, si vous lui parlez de votre vie, alors elle vous écoutera, mais c'est pas garanti qu'elle vous comprenne parce qu'elle n'a jamais vécu le quart de ce que vous avez vécu. Elle sait pas ce que c'est que d'être malade, elle sait pas ce que c'est que de finir le mois dans le rouge, elle sait pas ce que c'est que de ne pas partir en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne-là, même si avec toute la volonté du monde, elle va vous écouter, elle ne sera jamais apte à vous comprendre parce qu'elle n'aura jamais vécu ceci. Eh bien, c'est ce concept-là que j'aimerais vraiment partager avec vous et que vous puissiez comprendre. La magie a besoin de l'autre côté pour pouvoir vivre, sinon il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire un rituel de guérison si la maladie n'est pas là. Et quand on est en bonne santé, ça nous permet d'apprécier la vie qui coule dans nos veines. Voilà, si on n'a jamais connu la maladie, si vous n'avez jamais été malade de votre vie, vous ne savez pas la chance que vous avez, vous n'en avez pas conscience. C'est le jour où vous êtes couché au fond de votre lit avec 40 degrés, hein, ou pour ceux qui ont eu le... vous savez quoi, on va pas dire le mot, ou qui ont eu même des maladies plus graves et qui ont même des maladies plus graves, moi le premier, hein, voilà. Eh ben, on apprécie d'autant plus les jours où on est bien, on est de bonne humeur, où on se sent bien, on sent que notre corps, il nous suit, qu'on est capable de faire plein de choses. Eh ben, on apprécie encore plus ces jours-là parce que on connaît la maladie, on sait ce qu'elle est capable de faire. La magie, c'est le même principe. Pour les personnes qui disent pratiquer la magie de façon sérieuse, vous ne pouvez pas pratiquer que l'une ou que l'autre, c'est-à-dire la magie dite blanche ou la magie dite noire, c'est pas possible. Il faut impérativement un équilibre pour que les choses puissent se faire. Quant à la magie dite noire, eh bien sachez les amis que c'est quelque chose qui est assez complexe et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux que je puisse faire. La magie noire, enfin ce qu'on considère comme magie noire, c'est un peu, comment on pourrait dire, les hommes de main qui font le sale boulot. Je vais vous citer des exemples là encore concrets pour que vous puissiez visualiser. Prenons les personnes qui travaillent la nuit pour ramasser les poubelles, les éboueurs, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est le terme technique, mais je vais dire éboueurs pour que ça puisse parler à tout le monde. Ou pour ceux qui seraient de ma région, les gandous. Hein, voilà, ça... eh bien, ces personnes-là, il en faut. S'il n'y avait pas ces personnes-là pour ramasser vos poubelles, on vivrait dans une décharge à ciel ouvert, H24, voyez. Si on n'avait pas des personnes, qu'est-ce que je pourrais vous citer autre comme exemple, par exemple, les personnes qui travaillent dans les cimetières, hein, les croque-morts, tout ça. Si on n'avait pas ces personnes-là pour s'occuper de nos défunts, bah, il n'y aurait personne pour le faire. Et du coup, quand on aurait un membre qui décéderait, eh bien, il serait en train de pourrir dans la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des personnes comme cela pour faire, entre guillemets, le sale travail, hein, le travail, oui, le travail sale ou le sale travail, comme vous voulez. C'est impératif pour pouvoir nous rendre la vie, entre guillemets, meilleure ou tout simplement pour permettre que les choses puissent continuer à fonctionner. Les personnes qui pratiquent la magie dite noire, eh bien, ce sont des personnes qui, d'une part, travaillent très souvent dans l'obscurité, elles ne travaillent pas dans la lumière, elles travaillent dans l'obscurité, et elles vont travailler pour servir des causes qui sont très précises et qui vont permettre de faire évoluer. Oui, ça paraît aberrant, ce que je suis en train de dire, mais quelqu'un qui pratique sérieusement la magie noire, c'est quelqu'un, en fait, qui aide les autres. Oui, et je vais vous expliquer concrètement. Dans la vie, il existe deux types de mal. Alors attention, pas le mal, M-A, accent circonflexe, L-E, hein, le mal. Non, le malin, hein, le mal. Il existe deux types de mal. Vous avez le mal, comme par exemple Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Berkowitz, etc., etc. Voilà, les tueurs en série, ceux qui détruisent la vie, qui servent uniquement leur propre cause pour servir bah, leur pathologie psychiatrique, leur névrose, etc., etc. Hein, ou des personnes qui tout simplement sont méchantes gratuitement, qui aiment faire le mal, mais juste pour faire le plaisir de faire le mal. Malheureusement, ça existe, hein, ça existe. Bon, ces personnes-là, alors... On peut pas dire qu'elles sont inutiles à la société, bien que il est évident que la Terre se passerait volontiers de ce genre de personnes. Mais quelque part, elles peuvent être utiles à dans une certaine mesure, dans une certaine dose, pour nous faire comprendre quelque chose. Hein, si par exemple, moi je sais pas, vous avez réussi à échapper à un tueur en série, hein, et que vous découvrez que le voisin chez qui vous preniez le café, eh ben le lendemain il passe à BFM et qu'on a retrouvé une trentaine de cadavres dans sa cave, dans son garage, et que vous dites mon Dieu j'aurais pu être la prochaine victime, et bien dans votre esprit ça peut vous faire un choc pour vous faire apprécier davantage la vie, pour vous faire comprendre que vous avez été privilégié, que vous avez été sauvegardé, que vous avez été préservé par un ange gardien ou que sais-je, et que vous avez une mission à accomplir dans votre vie, voyez. Donc parfois les actes négatifs, même les personnes les plus négatives du monde, peuvent vous apprendre quelque chose de positif. Alors je sais, c'est une notion qui est difficile à comprendre et à assimiler, mais croyez-moi que ceux qui ont fait l'expérience, des expériences qui sont extrêmement négatives, qui ont, je sais pas moi, échappé à la mort, échappé à des catastrophes un petit peu, j'ai envie de dire, exceptionnelles, eh bien ces personnes-là savent exactement de quoi je parle. Et le deuxième mal qui existe, c'est un mal que j'appelle le mal justicier. Attention, j'ai pas dit justifié, non, le justicier, hein, comme un héros, un Superman, une Wonder Woman, tout ce que vous voulez, voilà. Parfois, il faut faire un acte, entre guillemets, de mal pour apporter une leçon à quelqu'un. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est sur le mauvais chemin, qui elle-même répand une certaine malignité, qui fait du mal autour d'elle, eh bien parfois le karma a besoin de juges, d'avocats, de policiers qui puissent intervenir au nom de cette justice divine, hein, parce que très souvent j'entends les gens qui disent « Oh, je vais laisser faire le karma ». Non, parfois le karma, il aime bien avoir un petit aspect l'assistant qui va interagir à sa place avant que ce soit lui qui s'en occupe en personne. Hein, c'est-à-dire que voyez un petit peu comme la justice. Dans la justice, vous avez plusieurs paliers. Vous avez les policiers, les gendarmes. Vous avez ensuite tout ce qui est avocat. Au-dessus, vous avez les juges. Puis après, vous avez les présidents de tribunaux, etc., etc. Et après, vous avez les hautes cours. Hein, voilà. Bon, eh bien, les personnes qui pratiquent ce type de magie-là, la magie dite noire, qui sont là pour apporter une certaine forme de leçon, un enseignement, pour recadrer la personne, pour lui faire comprendre, là, tu es en train de t'égarer, continue sur cette voie et ça va très mal se passer pour toi. Donc moi, j'interviens pour te remettre sur le droit chemin, pour te faire comprendre que là, tu es en train de faire des bêtises, que je ne peux pas te laisser faire ces bêtises, que tu te fais du mal à toi-même et que tu en fais aux autres. Donc, je vais devoir agir afin que tu puisses te remettre sur le droit chemin. Ça, c'est ce que j'appelle les mâles justiciers. Et puis, dans certaines mesures, vous avez des personnes qui ne comprennent toujours pas la leçon, qui n'ont toujours pas compris, voilà, qui n'ont pas tiré d'enseignement parce que malheureusement, elles sont aveuglées soit par leur cupidité, leur prétention, leur orgueil, leur aveuglement aussi, hein, parce que je connais des personnes qui sont toujours dans la victimisation. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est toujours les autres qui sont les méchants et elles ne se remettent jamais en cause. Hein. J'ai 2-3 perles autour de moi là que je pourrais citer. Hein. Même si le monde entier est contre ces personnes-là, non, ces personnes vont juste se sentir persécutées par les autres. À aucun moment, elles se remettront en cause en se disant « Putain, c'est peut-être moi qui pose problème. » Non, jamais, jamais, jamais. Bon, dans ces cas comme ça, j'ai envie de dire que ce ne sont pas des cas désespérés, mais vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ça n'a pas fonctionné, eh bien cette personne va s'exposer à plus haut. Et quand je dis plus haut, eh bien là on va parler des entités supérieures, du fameux karma qui va s'occuper directement de la personne. Bon, mais comment savoir, comment être ce bras armé de la justice? De quel droit, au nom de quelle autorité on peut dire que toi, tu dois souffrir et pas toi, etc., etc. Je vous vois venir avec votre question, c'est pourquoi je vais l'anticiper. La magie dite noire, de toute façon, toute la magie en règle générale, j'ai envie de dire. La magie, alors là, pardonnez-moi, je vais faire un peu mon puriste, mais la magie, pour moi, n'est pas forcément ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que oui, tout le monde peut la pratiquer, tout le monde peut être un sympathisant de la magie, mais tout le monde ne sera pas forcément écouté et entendu par les hautes instances. Tout le monde n'aura pas forcément ce feeling ou ce lien avec la magie. Hein. Alors ça ne vous empêche pas de pratiquer. C'est-à-dire que vous, dans votre cœur, vous ne vous sentez pas être un magicien ou une sorcière, mais vous aimez bien célébrer vos sabbats, vous aimez bien avoir un petit hôtel que vous décorez, faire des prières, machin et tout. Mais faites-le. Je suis pas en train de vous interdire de le faire, pas du tout, au contraire, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des personnes dans la vie qui se prennent un peu pour des apprentis sorciers, des apprentis sorcières. Ils ont lu 3 livres et tout de suite ils se disent « Ah, moi ça y est, je sais tout, machin ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme, je sais pas moi, vous avez des personnes qui sont douées pour la musique. Hein, je sais pas, vous prenez des artistes, Céline Dion, Lady Gaga, Mariah Carey, tout ce que vous voulez. Bon, ben, ces personnes-là chantent divinement bien. Vous pourrez prendre tous les cours de solfège de votre vie, ben, vous n'arriverez pas à chanter de façon potable. Hein. Ben, c'est comme ça, il n'y a pas à être jaloux, il n'y a pas à être envieux. C'est pas votre talent. Voilà. Il y a des personnes qui sont des artistes nés, qui savent peindre des choses extraordinaires, et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à dessiner une banane. Bon, ben, c'est pas grave, on va pas en faire tout un foin. Hein. Tout le monde n'est pas parfait comme moi, tout le monde ne sait pas tout faire comme moi. Bon, eh ben, il faut en prendre son parti, c'est tout. Bon. Non, mais voyez ce que je veux dire. La magie, c'est pareil. La magie, c'est une forme de talent, c'est une forme de don. C'est-à-dire que tout le monde peut la pratiquer, oui, mais tout le monde n'aura pas forcément ce lien ou cette connexion qui va se faire et tout le monde n'aura pas le même degré de résultat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont réussir à obtenir des choses qui paraissent complètement improbables et impossibles et puis il y en a d'autres qui vont pas réussir à obtenir des choses qui sont toutes simples. Bon. Ça, il faut pas en prendre votre parti, c'est comme ça. Mais que ça ne vous empêche pas de continuer à pratiquer ce que vous aimez. Si vous vous sentez bien dans la voie que vous avez choisie, faites-le. En revanche, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que tant que vous ne faites du mal à personne, tant que votre magie ne vise personne, J'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous voulez faire une conjuration pour vous, pour un sabbat, pour un esba, etc. Bah ça fait du mal à personne. Au pire, vous vous exposez vous tout seul à quelque chose. Donc, à partir du moment où ça ne vise personne, faites ce que vous avez envie et faites ce que vous voulez autant de fois que vous voulez. Par contre, dès qu'on a des magies qui commencent à s'insinuer dans la vie des autres, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient toutes les couleurs, là, il y a un problème éthique à se poser et c'est là qu'il va falloir analyser la situation en se disant « Ok, est-ce que là c'est justifié? Est-ce que ça mérite ça? Quels sont les objectifs de cette magie? Qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Je vais travailler avec la personne pour voir ce qu'elle veut aussi, voir ce qui est possible, ce qui est réaliste et réalisable, hein, et ensemble après on définit des objectifs, des paliers, etc. etc. Ok? Mais dès que ça commence à toucher, dès que ça commence à viser des personnes, la magie peut se révéler être très dangereuse. Comme je vous l'ai dit, il peut même y avoir des rituels de magie dite blanche qui peuvent très mal tourner, avec lesquels vous pouvez avoir un retour de bâton qui va être fulgurant et particulièrement violent, alors que vous serez là, je comprends pas, j'ai les faits sous de bonnes intentions. Oui, mais comme je vous l'ai dit, les bonnes intentions ne suffisent pas. Hein. Dites-vous bien une chose, c'est que ceux qui nous regardent, ils se foutent complètement de vos bonnes intentions. Eux, ce qu'ils regardent avant tout, c'est le résultat. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire? Comment les choses vont se terminer? Et vos bons sentiments, ben, ils s'en fichent. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas moi, un rituel de guérison sur quelqu'un qui effectivement était malade et puis la personne guérit, ben, c'est bien, c'est positif. Mais imaginons que la personne, du coup, elle se sent comme ça pousser des ailes et que tellement euphorique, tellement heureuse de se sentir bien, elle va, je sais pas, aller faire la fête et puis elle va boire un coup de trop et puis elle va se tuer sur la route, voyez? Bah quelque part, indirectement, vous êtes un peu responsable de sa mort parce que vous avez permis à ce que cette personne aille mieux, vous avez changé quelque chose qu'elle était peut-être vouée à vivre, peut-être que cette personne devait vivre sa maladie pour comprendre quelque chose et le fait que vous ayez retiré cette maladie, ça la conduit à autre chose. Hein. N'oubliez pas que la magie, à chaque fois, tout le temps, pour ça, Charmed a complètement raison, la magie, vous avez toujours des conséquences. Peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous demanderez, vous aurez toujours des conséquences. Je prends un exemple très concret et je pense même que ça va vous glacer le sang cet exemple. Il y a quelques années en arrière, j'avais une amie qui m'avait sollicité pour lui faire un rituel pour demander à ce qu'elle ait une voiture parce qu'elle venait de trouver un travail qui était un petit peu loin et malheureusement elle pouvait pas se déplacer comme elle voulait et il lui fallait une voiture. Mais elle, dans sa tête, alors juste elle m'a demandé à avoir une voiture en m'exposant sa situation qu'elle venait de trouver un travail et que bah, du coup la voiture c'était un besoin, hein, c'était pas un luxe parce qu'elle s'en foutait en fait de la voiture, elle voulait pas une Ferrari, elle voulait juste 4 roues, un volant et un moteur, quelque chose qui puisse la conduire à son travail. Donc on est bien d'accord que ça part de bons sentiments, qu'il n'y a rien de négatif derrière, mais elle a formulé juste avoir besoin d'une voiture, c'est tout, en m'exposant un peu sa situation. Bon. J'ai fait exactement ce qu'elle m'a demandé, car là aussi, il faut savoir que si vous êtes amené à travailler pour quelqu'un, à réaliser un rituel pour quelqu'un, il faut que vous fassiez à la lettre ce que la personne vous a demandé. Ne prenez aucune liberté. Hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, comment on pourrait dire, un artisan, un professionnel. Hein. C'est-à-dire que vous allez chez le coiffeur, vous dites au coiffeur, je veux que vous me coupiez comme ça, je veux un carré dégradé, je veux une couleur rouge. Si le coiffeur vous fait, je sais pas moi, un balayage avec des mèches orange, bleu, machin et tout, parce qu'il a pris la liberté de le faire parce que ça lui plaisait comme ça, je suis pas sûr que vous soyez très content. Vous, c'est pas ça, vous vouliez un carré avec une couleur rouge. Vous n'avez pas demandé à faire autre chose. Hein. La magie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous faites bête et discipliné ce qu'on vous a demandé sans prendre aucune forme de liberté. Hein. C'est-à-dire que moi, elle m'a demandé une voiture pour son travail. J'ai demandé une voiture pour son travail. Point barre. C'est tout. J'ai pas dit attention, faites en sorte que... Non, non, non. Elle veut une voiture pour son travail. Son besoin, c'est une voiture pour son travail. J'ai donc demandé juste ça. Alors, vous vous doutez bien que si je vous parle de cet exemple, c'est que la situation, enfin, ça n'a pas forcément bien se terminer. Alors effectivement, bonne nouvelle, la voiture, elle l'a obtenue. Et elle l'a obtenue assez rapidement d'ailleurs. La mauvaise nouvelle, c'est que la voiture était un héritage de sa grand-mère qui est décédée quelques jours après sa demande. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai demandé la voiture, elle m'a appris quelques jours plus tard que sa grand-mère venait de décéder et elle apprenait dans l'héritage que sa grand-mère lui confiait sa voiture. Donc voyez, pour vous dire que la magie peut être extrêmement vicieuse, parce que même si ça part de bons sentiments, même si ça part de besoins, la magie, en règle générale, la magie ne vous donne pas gratuitement. Hein. C'est pas comme dans Charmed, vous avez quelque chose qui apparaît, c'est magique, ou Harry Potter. Non, non, non. La magie, pour vous donner quelque chose, elle doit prendre quelque chose de l'autre côté. Hein. C'est un peu le même principe pour ceux qui travaillent, par exemple, la magie du chaos, j'allais dire la Goétie, pas du tout. Pourquoi j'ai pensé à la Goétie ? Je pensais au vaudou, tout ça. On est souvent sur cette forme d'échange. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose, il faut donner quelque chose. Hein. Il y a souvent... C'est d'ailleurs pour ça, dans les rituels, qu'on fait des offrandes, qu'on faisait des sacrifices aussi, parce que ça permettait de pouvoir limiter les conséquences. Et ça, les gens n'y pensent pas assez. Très souvent, les gens sont toujours dans le « j'en veux plus ». « J'en veux plus »,« je veux et j'exige ceci », et puis « je vous donnerai rien en compensation ». Eh ben non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à faire des offrandes. Et ce qui est bien en général... Mais ça, c'est quand c'est possible, évidemment. C'est bien, en principe, de faire une offrande qui soit proportionnelle à ce que vous demandez. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose d'exceptionnel, il faut faire une offrande un peu exceptionnelle ou un sacrifice qui soit un peu exceptionnel. Moi, je sais pas, vous avez besoin... j'en sais rien quoi, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais imaginons que vous demandiez quelque chose qui soit un petit peu cher. Eh bien, peut-être qu'il va falloir renoncer à quelque chose qui vous est cher. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, une bague de famille, quelque chose auquel vous tenez beaucoup, quelque chose qui a une grosse valeur, soit pécuniaire, soit, mais très souvent, sentimentale, parce que les meilleures offrandes sont les offrandes qui ont des grosses valeurs sentimentales, pas forcément pécuniaires. Hein. Et par conséquent, quand vous me demandez quelque chose d'un petit peu exceptionnel, il faut donner en contrepartie quelque chose qui ait une valeur un peu équivalente. Ça permet de pouvoir limiter les conséquences. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Ça veut simplement dire que les conséquences vont être limitées, puisque par conséquent, la magie, elle n'aura pas à prendre ailleurs, elle va prendre ce que vous lui proposez. Donc soit ça lui plaît, elle accepte votre offrande, elle prend le truc, et quand je dis elle le prend, c'est au sens physique du terme, c'est-à-dire que l'objet, imaginons que vous donniez un bijou auquel vous tenez, eh bien ce bijou, préparez-vous à le perdre dans quelques jours, parce que vous l'avez donné en offrande. Hein, quand on fait des offrandes, il faut partir du principe que ces offrandes sont perdues. Donc si par exemple vous donnez des fruits, de n'importe quoi en offrande, le but c'est pas de manger les fruits après le rituel, non, les fruits vous allez les enterrer, vous les jetez à la nature, vous les offrez à un animal, mais le but étant que quand vous faites une offrande, partez du principe que vous ne possédez plus l'objet. Hein. Je fais pas une offrande et puis pouf, je le remets dans mon placard. Non, non, non. Je fais une offrande, c'est que j'accepte de m'en séparer, de le donner, de le sacrifier pour le transformer en quelque chose d'autre. Voilà, c'est exactement le même principe. Mais si vous ne faites pas cette démarche de donner, ou si votre offrande ne plaît pas parce qu'il est jugé que votre offrande est un peu trop superficielle par rapport à ce que vous réclamez, eh bien la magie va se charger de prendre autour de vous quelque chose qui soit équivalent. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif, qu'il faut être extrêmement vigilant quand on pratique autant la magie dite blanche que la magie dite noire, parce que elle s'en fout des couleurs, elle s'en fout complètement de votre avis. Hein, elle va pas vous demander votre avis, ça vous plaît c'est bien, ça vous plaît pas, elle en a rien à foutre. Elle fera ce qu'elle a à faire, point barre, parce que les lois de l'univers, les lois cosmiques sont ainsi faites. Quand on donne quelque chose, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. C'est forcément créé à partir de quelque chose. Hein. Quand vous regardez par exemple l'univers, l'univers ne s'est pas créé à partir de rien. Non, il y avait des atomes, il y avait des molécules, il y avait de l'énergie dans la matière, dans l'antimatière, etc. Et ce sont tous ces atomes, toutes ces molécules qui se sont agencées pour créer quelque chose. Ce n'est pas sorti comme ça de la cuisse de Jupiter, comme par enchantement, non. L'univers, c'est le même principe. Hein. On crée quelque chose à partir de quelque chose. Donc soit vous donnez de votre plein gré cette chose et ça limite un peu les conséquences, soit vous ne donnez pas et ils se chargeront de prendre à votre place. Hein. Et c'est valable autant pour la magie dite blanche que la magie dite noire. Ok ? Donc comme je vous l'ai dit, pour résumer, je pense que vous avez compris maintenant le principe de magie blanche, de magie noire. Il y a l'intention que vous allez mettre dedans, ça c'est très important. Tant que vous ne visez personne, tant que votre magie ne touche et n'affecte personne, faites ce que vous voulez, mais alors vraiment ce que vous voulez. Si vous mettez dans le pétrin, ça sera de votre faute et puis voilà, ça touchera personne. Donc tant que ça ne vise, tant que ça ne touche personne, tant que ça ne s'insinue pas dans une vie, dans une forme de volonté tierce à la vôtre, faites ce que vous voulez, on s'en fiche complètement. À partir du moment où ça commence à toucher quelqu'un, à viser quelqu'un, à s'insinuer sur la vie de quelqu'un, là, il faut se poser les questions de « Est-ce que c'est vraiment utile que je le fasse ? Quelles vont être potentiellement les conséquences du truc ? Quel est le but que je vais me fixer ?» Essayez vraiment de détailler, de faire un portrait avec toutes les, les opportunités, on pourrait dire ça comme ça, mais les scénarios, c'est-à-dire « Si je fais ça, il pourrait probablement se passer ça, 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 ça et ça. Et si jamais il se passe ça, bah, je vais essayer de faire ça et ça va donner ça, ça, ça et ça. » C'est extrêmement délicat de faire des rituels, de faire de la magie, parce qu'il faut se projeter sur toutes les éventualités, le potentiel chaotique qui pourrait s'émaner de votre pratique. Pour vous donner un dernier exemple, afin que vous puissiez bien comprendre, visualiser la magie, enfin quand on parle de magie, la magie en fait c'est un support qui vous permet de manipuler la matière afin d'obtenir des effets. Quand on dit la matière, c'est la matière au sens large du terme. La matière palpable, mais la matière comme l'air par exemple, là vous le voyez pas, mais je suis en train de brasser de l'air, ben, quelque part je suis en train de brasser des molécules, des atomes, c'est pas du vide, hein. Là j'ai l'impression que je touche du vide, que je touche de l'air, et pourtant non. Mes mains elles ont une certaine résistance dans l'air parce que j'écarte des molécules, j'en touche, vous voyez, donc ce qu'on croit être vide ne l'est pas, hein. Donc pratiquer la magie c'est ça, c'est prendre conscience de la matière en règle générale, de l'antimatière, des énergies, etc., etc. Et pourquoi chaque chose a une conséquence? Parce que nous évoluons sur le fil du temps. Le temps est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'il va dans un sens. À l'heure actuelle, alors, il n'y a pas de loi physique et quantique qui nous interdirait d'aller à reculons. Ça serait possible de remonter le temps. On ne sait juste pas le faire, c'est tout. Mais il n'y a pas de loi physique ou quantique qui nous interdit de pouvoir reculer dans le temps. C'est juste que le temps, il avance, on avance avec lui dans la même direction et on ne sait pas aller de l'autre côté. Donc tout ce que l'on va faire dans le présent, déjà là, tout ce que je viens de vous dire, ça appartient à la même vidéo et pourtant ça appartient au passé. Et je ne peux pas revenir dessus. Alors si, ça s'appelle la magie du montage quand on est youtubeur. Mais je veux dire, si je ne monte pas, si je ne triche pas, si je n'enlève rien de tous mes dires, eh bien, tout ce que je viens de vous dire appartient déjà au passé. Je ne pourrais pas revenir dessus. C'est comme ça. Donc maintenant, il faut que je compose avec ce que je suis en train de faire là, à l'heure actuelle. Et l'exemple le plus frappant, c'est une boule de pâte à modeler. Vous venez d'acheter une boule de pâte à modeler. Elle est toute neuve, elle est nickel, elle est lisse, elle n'a pas d'imperfection, elle est parfaite. Tant que vous ne la touchez pas, elle se portera très bien. À partir du moment où vous allez commencer à la modeler, la triturer, machin, et l'étirer, bidule, les trucs, vous allez fabriquer tout ce que vous voulez avec. Et puis quand vous avez fini de jouer, vous la remettez en forme de boule. Alors, peut-être que cette boule, elle aura l'apparence de son origine, mais elle ne sera plus jamais la boule originelle parce qu'elle aura été déformée, triturée, transformée et votre boule n'est pas parfaite. C'est-à-dire que quand vous l'aviez achetée, c'était une sphère qui était parfaite et là, même si effectivement elle ressemble à une boule, eh bien si on zoome de plus près, on verra qu'il y a des imperfections, on verra qu'il y a des choses qui ont changé et elle ne sera plus jamais la même. La magie, c'est le même principe, c'est-à-dire que même si vous essayez de revenir au point de départ, hein, c'est pas comme dans Charmed, il n'existe pas de contre-formule pour annuler quelque chose. Là aussi, c'est quelque chose que je vois passer assez souvent sur les groupes, les réseaux sociaux, etc. etc. J'ai été envoûté, est-ce que quelqu'un peut m'aider à lever le sort et compagnie? Non. Non, mais non, ça n'existe pas. Donc je vous le dis, ça n'existe pas. Quand un travail occulte a été fait sur vous, on ne peut pas enlever ce travail occulte. Rien ni personne, absolument rien ni personne, ni sur Terre, ni dans l'univers ne peut retirer ce qui a été fait sur vous. Il faut composer avec le présent, il faut composer avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si vous allez voir quelqu'un pour réaliser un autre travail occulte pour vous libérer de ce qui a été fait, cette personne, si elle vous dit « j'ai le pouvoir d'enlever le maléfice, le mauvais œil et compagnie », ben, je suis désolé de le dire, cette personne, c'est un peu une mytho, hein. C'est... Non, mais appelons un chat un chat. C'est-à-dire que quelqu'un qui pratique vraiment la magie saura que on ne peut pas enlever ce qui vous a été fait. Par contre, on peut composer avec la nouvelle chose. C'est-à-dire que, imaginons, moi, je sais pas, on vous envoyait un maléfice de malchance. Eh bien, on va pouvoir essayer de contourner ce maléfice, par exemple en créant, eh bien, un rituel de miroir pour renvoyer les énergies, ou vous faire un rituel pour la prospérité, pour développer un potentiel, des opportunités, pour raviver, ramener la chance. Mais ce qui aura été fait, vous le conservez comme une cicatrice. Hein, quand vous avez une cicatrice sur le corps, que vous êtes blessé, que vous avez votre cicatrice, bah, la cicatrice, elle partira jamais. Même si vous faites de la chirurgie esthétique, même si vous faites du laser, la cicatrice restera gravée à jamais dans votre corps. La magie, c'est pareil. On ne peut pas aller contre quelque chose qui a déjà été fait, mais par contre, on peut composer avec le nouveau et créer quelque chose de nouveau pour essayer d'en changer les conséquences ou obtenir des conséquences qui soient différentes. Voilà. Vous voilà maintenant, les amis, complètement incollable sur le sujet de la magie dite blanche et magie dite noire. Donc maintenant, faites-moi plaisir. N'employez plus jamais ces termes de magie dite blanche, magie dite noire. Employez simplement le terme de magie, c'est tout, hein, puisque comme vous avez pu le voir, c'est un sujet qui est nettement plus complexe qu'il n'y paraît. Il est complexe et simple à la fois, c'est-à-dire que lorsqu'on a compris le principe de polarité, d'équilibre, de création, de conséquences, d'intention, etc., bah, normalement, les choses après vont devenir logiques, hein, dans votre pratique, dans votre façon de voir les choses, dans votre langage. Normalement, hein, les choses vont se faire d'elles-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le racolage de youtubeurs, vous savez, like, tout ça. Moi, sur ce, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.